Bonjour, professeur. Alors, le Big Bang. Beaucoup de force. Les Flamands pensent qu'il faut mieux s'occuper de la peinture plutôt que de s'occuper de l'ADN. Ma comunque, forse alla base di tutto il Big Bang c'è proprio alla base delle generazioni, tutte le forme. Sì, sì, la teoria. 3. C'est facile de profiter que je ne comprends pas pour développer des théories en italien primordial. Je pense qu'on est au fondement là de la. Simone, c'est vraiment ça. De notre recherche. Simone a posé les bases. Il a des origines sardes d'ailleurs. Wikipédia en fait, c'est un plat. Nous vivons au sein d'un grand mystère. Nous sommes capables de le mesurer, de l'analyser, de l'observer et même de l'explorer. Mais qu'est-ce que l'univers? Comment a-t-il commencé? Certains refusent l'idée selon laquelle il serait né dans un Big Bang. Les cosmologistes acceptent pour la plupart cette théorie, mais s'ils peuvent expliquer le comment, ils n'ont aucune idée du pourquoi. Le cornet qui se trouve derrière eux capture un rayonnement micro-ondes provenant de toutes les directions. C'est un écho du Big Bang refroidi à moins 270 degrés Celsius. Une véritable soupe de particules qui gonfle sans cesse. Elle est si brûlante que l'énergie engendre spontanément la matière et l'antimatière. Elles s'anéantissent mutuellement, puis tout recommence. Voici la théorie du Big Bang. Tout est parti d'une seule explosion cataclysmique. Un grain à peine plus gros qu'un atome et extrêmement chaud a engendré la matière, l'espace et le temps. Ce premier rayonnement de l'univers visible, on obtient la preuve qu'une structure primitive a émergé. Reste plongé dans le brouillard pendant 300 000 ans. Mais à mesure qu'il se dilate, les températures diminuent. Notre univers devient alors transparent. Pour la première fois, la lumière et autres rayonnements peuvent se propager dans l'espace.